re-bienvenue! Et re-bienvenue! Ben oui, c'est ça! Re-bienvenue! NHL 94! C'est ça! Faites par EA Sports! C'est une game avec Jean-Philippe, Julien et Pierre encore une fois! Caroline, je pensais jamais qu'on allait faire autant d'épisodes avec ce jeu-là, ça n'a aucun bon sens. Moi, je t'assure, genre, on va faire deux épisodes, puis on va cette année, on n'a rien à dire, mais Chris, on a plein de choses à dire, c'est ça qui est drôle. Tu te rappelles de nos petits souvenirs d'enfance? Ouais, d'enfante! Bon, c'est dégueulasse. Oups. Oh, 3-0! Ouais. Ça va, ouais, c'est ça, fait que j'ai jamais raconté mon autre rêve que je parlais de 3 épisodes avant. On parlait de cauchemars il y a une couple d'épisodes. Tu sais quoi, tu voulais parler d'un autre cauchemar? Je faisais un autre cauchemar quand j'étais jeune. C'était, je courais partout dans la maison. Je me faisais courir après par une boule électrique. Ah ouais. Puis là, je cours. Puis là, à un moment donné, ça me fonçait dans la face. Ça m'électrocutait. Puis je me réveillais. Puis c'était comme, ah, je suis mort. Puis sûrement que tu devais sentir la douleur, hein? Tu sentais la douleur, puis là, tu te réveillais, puis t'es comme... Ben, dans le rêve, oui, mais pas en... Non, c'est ça. C'est ça, c'est sûr que dans ton rêve, tu sentais... Tu sais, je me suis fait poignarder, puis je me suis pas réveillé avec un couteau dedans. Non, j'avoue, c'est maman qui s'était... Mais, ouais. Quoi? C'est maman qui t'a poignardé. Quoi tu parles? Ouais, le monde va appeler à DPJ. Oh, yes! T'as pété Mario Lemieux, man! Ben, c'est ça, va-t'en. Comme en 94, lors du fameux match Festival de l'incident. Ben oui, l'incident de ça t'insinue. Ah ouais, il fait quoi? Hey, dans le fond, on dirait qu'il y a un gars qui a un casque de construction. Il y a un genre de petit chapeau blanc. Je retourne. Attends, on va le voir. Le gars, tu vois, il est là à droite. On dirait qu'il y a un petit chapeau blanc. En tout cas, c'est tout. Un chapeau de Noël. Un chapeau de Noël. Ça doit être ça. Ah, il est en 94, c'est Noël. En 94. T'as amassé là-dessus. Non, mais c'est correct, c'est 3-1. Ouais, c'est ça. Fait que je me faisais courir après par une boule d'électricité. Ça, c'était-tu dans le temps que tu jouais à Red Alert? Non? Non, parce que les Tesla Coils, ça aurait pu comme... Quoi? Les Tesla Coils! Ouais, je faisais, je me rappelle, là, quand j'étais jeune, je rêvais genre que je mangeais des morphines empoisonnées. Ah ouais, ton père, il te violait-tu? Mais non! Quoi? Je suis en train d'expliquer, esti, d'où ça vient. J'ai dit une boule électrique, pas, ben oui, pas d'un laser électrique. Non, mais ok, sinon, où dans ta vie, tu voyais de l'électricité lousse dans le vide? Ça n'a pas rapport, j'ai déjà rêvé à une corneille dans une brouette, pis merde, t'as déjà vu une corneille pis une brouette, hein? Non, mais il n'y avait pas ça dans ma lampe d'électricité. Okay. Pas rapport. Non, mais Chris, pour rêver à quelque chose, faut que tu l'aies déjà vu dans ta vie. Ça n'a pas rapport. J'ai déjà rêvé à des tombeaux puis des sarcophages. J'ai jamais vu ça, des sarcophages. Ben oui, sur Internet. Des gifs. D'ailleurs, j'avais pas Internet dans ce temps-là. Chris, tu savais c'était ça, mais t'en avais jamais vu. Ben oui, je savais c'était quoi. Parce que t'as sûrement vu ça dans un livre, quelque chose. Ben non, c'est maman qui m'a donné une bonne éducation. Ben c'est ça, donc tu savais c'était quoi avant de rêver. J'ai jamais vu. Tu sais, c'est quoi, t'as rêvé à ça? Maman, j'ai rêvé à un genre d'objet qui avait un personnage mort dedans. Ah, oh, c'est un sarcophage. C'est pas exactement comme ça. Là. Pas sûr, c'est ça. Ben je l'étais. Ah, bah boy. T'es en train de... Mais c'est ça, mais non, mais j'ai lu de quoi? Tu peux pas rêver à quelque chose que t'as jamais vu dans ta vie. Ouais, sûrement. Mais ça, la question se pose, à quoi les aveugles rêvent? Ils doivent rêver à des sons, à des... Tu sais, parce que quand t'as jamais vu... Quand ils rêvent, parce qu'ils voient, finalement! Non, mais tu sais, mettons qu'ils sont devenus aveugles, ils peuvent encore rêver des images, I guess, mais... Sinon, faudrait leur demander, on va leur demander à quelqu'un pour voir. Non, mais il faudrait quelqu'un qui soit né aveugle, qui a jamais rien vu de sa vie. S'il y en a un qui voit d'un œil, ça marche ça. Ben oui, il voit, c'ti. Ouais, mais il pourrait faire un rêve à moitié. Ben non, un rêve à moitié, c'ti. T'as-tu déjà fait un clin d'œil à quelqu'un? C'est quoi, la moitié du monde n'existait plus? C'est quoi? Non, juste. Un clin d'œil. Non, pas ça, juste la moitié d'une personne. Ah, ouais, c'est pas à cause qu'il te manque un œil que tu vois juste la moitié de tous les objets. Une télécommande, ah, juste la moitié, un PlayStation, ah, la moitié. Ben oui. Ben non, pas de même, ça va faire un œil. Ah, oh non, tu vois une moitié de TV. Ben oui, je vois pas ce côté-là, fait que je vois la moitié de l'autre côté. Moi, je la vois au complet. Au complet. Un bon petit gobelet de lait. Au primaire, man, tu te souviens? Ah oui, les gobelets de lait avec le biscuit à l'avoine. Moi, je me souvenais pas qu'il y avait de la bouffe. Je me souviens juste qu'il y avait un berlingot de lait. Tu sais, les genres de mini berlingots, là. Puis c'était genre, à chacun notre tour, il y avait deux personnes qui devaient aller les chercher. Puis il y avait un genre de gros frigidaire. En tout cas, nous, au primaire, on est allé à Laval, à Desormeaux. Il devait avoir un gros frigidaire pour ça. Oh, il y avait ça.
puis c'était-tu une genre de grosse porte en métal grise? Que t'avais juste avant la caisse, fallait-tu pas une petite puis. Oui, oui, oui! Puis là, il y avait deux élèves qui allaient les chercher, je pense, puis là, on avait juste tout notre petit berlingot de lait. Et à cette heure, avec les coupures, esti, c'est sûr qu'il n'y a plus de berlingot de lait au primaire. Il n'y a plus rien, il n'y a même plus de personne qui te sert à cette heure. C'est genre, prends ta machine puis vole. Il n'y a même plus de prof, c'est un ordinateur en avant avec Internet. Hein, va voir ce que tu veux. Ouais, c'est seulement ça, le pire. Ah, bah, boy. Mais. Ils ont enlevé leur gardien, hein? Non, pas encore. Il devrait parce que c'est sûr qu'il perd. Ben, quoi qu'il y a. Peut-être qu'il se donne pas de chance. On dirait qu'il y a plus de joueurs, mais. Non, non, il se donne pas de chance. Fuck off. Je vais péter à vite avant. Non. Off. Ah, ici. Oui, oui, oui. Fait... À 9 secondes, on s'en fout. Hein. Il est rendu là, mais il est juste pour. Non, c'est ça. Ils ont même pas enlevé leur goaler. Mais non, ils sont graines. Ils le savent qu'ils vont perdre. Ça sert à rien. Ils vont pas faire 6 points, esti. Ben, peut-être. Mais non. Bon, hey, une autre défaite. C'est bon. C'est bon, hein. J'ai presque fini. Il m'en reste une. Quel autre? Je tombe en finale. Qu'est-ce que tu te souviens, mettons, en maternelle. Tu sais, la maternelle, t'apprends pas grand-chose. Tu fais genre de la gouache, puis tu joues avec des blocs, puis des affaires de main. C'est quoi ça? Ben, c'est toi qui parles du croche en maternelle. C'est moi qui parle du croche. Mais non, mais je parle toi en général, tout le monde. Toi en général, tu parles du croche. C'est ça, tu parles du croche. Mais ouais, mais c'est qu'on on faisait rien. Moi, c'était plate. En maternelle. Je l'ai redoublé en plus. Non, t'as pas redoublé ta maternelle, sinon t'es retardé fois 1000. Oh, bouh. Bon, oh, et c'est dangereux. Est-ce que c'est dangereux? C'est dangereux. Ouais. Bon, ok, go. Ah, oh, sac. Ok, go. T'es sérieux? C'est, ils sont bien, on dirait qu'ils ont comme 4 joueurs de plus à la glace. C'est juste moi qui ai été éparpillé partout. Mais ouais, ou. Hey, là, ils plaquent, là. Et cette game-là, là, sont vraiment en feu. Cette game-là, c'est je plaque puis je me. Mais c'est parce que si à perdre, celle-là, je pense qu'ils sont hors des séries. Fait que j'espère, c'est-tu qu'ils plaquent. Ah ouais, puis ils gagnent! Ouais, ouf! Sérieux? C'est intense. Aïe, aïe, ils veulent vraiment, là. Ah, fuck! C'est une chance que les deux sont tombés à terre. Avance, 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 avance. Moi, en maternelle, tout ce que je faisais, c'était genre. Tu sais, il y avait plusieurs postes. Tu sais, t'avais genre le coin des blocs, le coin maison que tu jouais avec la poupée. Genre, t'avais le coin gouache, le coin dessin. Puis, tu sais, une fois de temps en temps, il y avait comme une activité que tout le groupe était ensemble, mais sinon, c'était quasiment comme une garderie, genre. Ben ouais, pis... c'est pas mal ça, la matérielle. Garderie. Matérielle. Matérielle, c'est une garderie. Mais il y avait un coin ordinateur, c'était un vieil ordi avec, tu sais, des grosses disquettes, les grosses disquettes molles. Non, 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 c'était au primaire. C'était pas au primaire, en maternelle. Bonjour, bonjour. Non, non, bonjour, c'était moins que ça, bonjour, c'était des sons d'os, ça. En tout cas, une toune, tu sais que les sons sortent de la tour, là. Ça, c'était le bout de fucking trop long. Mais ça, c'était bon. On dirait Mr. Bean qui chante une toune. Dou, 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 dou. Puis moi, c'est ça. Puis là, il y avait quatre séries. Il y avait comme, c'était par saison, tu sais. Puis c'était tous des petits jeux d'ordinateur, ben pas des jeux, mais genre des jeux pour apprendre, là. Puis c'était séparé avec les 4 saisons. Puis il y avait un set des 4 saisons, mais pour splitter en deux classes de maternelle. Fait que moi, j'étais tout le temps rendu dans l'autre classe de maternelle, puis ouais, je voudrais avoir le CD3, genre, ou la disquette 3. Puis là, maintenant, la prof m'a chicané, parce que, ben là, c'est parce que t'es as toutes, mais CD, elle n'avait plus dans sa classe. T'es as toutes pris, là. Eux autres, il y avait comme le premier, puis Datine. Moi, on avait toutes les autres. Juste parce que moi, j'allais tout le temps y chercher. Plus poche. Hey, je suis déjà retourné à cette école-là, plus tard, puis. Ça fait longtemps. Mais. C'est fou comment c'est. Si là, les cases sont minuscules, tout est petit. Ben, j'espère qu'ils sont pas 20 pieds de haut. Non, non, mais dans ta tête, t'as comme, ouais, les couloirs c'était super long parce que toi t'es plus petit, fait que tout a l'air plus grand. Mais là, toi t'arrives, long à cette heure, on mesure genre 6 pieds 2 les on deux, tu sais. Ouais. C'est fou, là, tu fais comme, ah, ben j'ai fini ce couloir-là en 3 pas. Tu comme, voyons, on se dit. C'était weird parce que. 3 les... pas de gel. Ah oui, 10 petits pas de souris. Ah, ça c'est l'intro de Pimpon! Non! Ben oui, ben c'est dans l'intro. Ben pas l'intro, mais c'était au début de l'épisode. Pimpon, hostie. Deux tétés qui éteignent pas de feu, qui réparent des jouets. C'est ça? Ça ressemble à un clown. On aurait dit un saxophone. Je suis même pas capable de le plaquer. Icing, je te dis. Avant, tu l'imitais bien, ce gars-là. Tu sais, il avait comme le. Oups. J'ai rien fait. Ben j'espère, c'est eux autres qui ont gagné. Non, c'est moi qui viens de faire un but. Ah, ben oui. Puis j'ai rien cliqué. T'es quand tu passais par là, pis attends, en passant. J'ai mon fucking voyage. Hey, ah ouais, gagne-moi celle-là. Je gagne sans se comprendre comment. Oh! Ouais, défenseur, c'est le temps de.
Mais ping-pong, c'était-tu weird comme show? Te souviens-tu de la toune? Frippé c'était weird. Oh, frippé ça, c'était quelque chose d'incroyable. Pompons sont deux ping-pong. Sont deux ping-pong. Ping-pong, Pont-Ville. Ils sont très carnivores. Ping-pong. Et pompons, les enfants. Mais pas de feu à arroser. Parce que c'est fait pour les amis. Tant mieux. Ping-pong, pompons, tant mieux. Ils ont du temps pour la visite et pour des jouets à réparer avec d'enfous. Ping-pong. Je me rappelais pas de cette boutte-là. Attention le feu! Dun, 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 attention le feu! Les trois derniers lettres vont arriver! Dun, 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 dun. Là, ouais. Ça a commencé. Ah oh, oui, c'est vrai, je l'imitais! Ouais, ben oui, tu l'imitais non-stop, oui. C'était ce grand fafouin-là. Pimpon! Ah, wow! Non, c'était Pompon. Pompon, Pimpin, c'était le grand mec, puis Pompon, c'était le petit gros. Mais c'était pas le gros, j'imitais le gros. Il avait non, mais je normal, sais, c'est Pimpin que tu imitais. Fait que tu disais Pompon! 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 J'ai conçu la vie avec mon chat, quoi! Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui avec ce pain-là? Mais t'as pu domber! Oh! On va-tu te donner aux enfants, ce crise de pain-là? Ah, c'est moi qui le faisais. Toi, tu faisais pompon. Toi, tu faisais mon petit pompon. Mon petit pimpin. C'est toi qui faisais le gros. Moi, je faisais. Je le faisais plus capable parce que j'ai plus la voix. Là. Pimpin. Toi, tu faisais c'est pas ça. Faire ça comme ça. C'est ça, c'est genre. Ah oui, go, on limite là. Non, j'ai plus la voix. On j'ai s'en fout. J'avais pas la voix de Mathieu Salem aussi, je l'ai. Oh, ah oui. Tu l'as encore, cette voix-là. Moi, je l'ai plus, cette voix-là. Oui, je peux plus faire d'aigu. Ben, force. Mon plus aigu, c'est ça. Je suis plus capable. C'est correct, continue. Ah, si j'ai mal. C'est correct, ah ouais. Pimpin. J'ai paqué le camion en double, fait qu'on a une contravention! On peut pas avoir une contravention. Ah non, c'est vrai, mon petit pimpin. Mon petit pimpin. Mon petit pimpin. On peut pas avoir de contravention, on est justement des pompiers. Mais je te le dis, c'est bizarre, on est dans un show pour enfants, mais on a quand même une contravention! Bon, on la donnera aux enfants. Ils paieront les petits mousses. Ils paieront les petits mousses. Oh mon Dieu, c'est Marie-Michel Desrosiers qui cogne à notre porte. Allô les enfants, j'étais dans un groupe de musique populaire au Québec, beau dommage, mais maintenant je chante dans un show pour enfants qui pognent pas. Oh, j'espère que c'est elle. Sinon c'était tellement gratuit là. Non mais il y avait Christian Bégin aussi qui chantait. Ah oui, genre celui qui a trop de barbe blonde pour rien, là. Ben maintenant, oui. Oh, man. Maudit qui est laid avec sa barbe. Puis là, ah oui, alors, bonjour les enfants. Alors, là, il faisait le chemin. C'était quoi, le 3 pas de géant? 3 pas de géant, 3 pets, ils se connaissent. Deux bras, ils sont. Non, ça veut dire, là, mané 3 pas d'éléphant. Puis là, 3 petits pas de souris. Là, après ça, on monte l'escalier. Puis on descend en bas. Puis là, par le bas. Fait qu'il Ouais. Puis là, après ça, le méthode des caisses. Alors, le pompier Jonathan Sigal, notre pompier Alexandra Michel Dubé et notre. Et Roger Lamotte-Tilleul. Il y a 63 janvier là avec les deux enfants de 4 ans, tu sais. Puis là après ça, il faisait. C'est quoi donc qu'il faisait? Je me souviens juste de la perfo. Il faisait du barbecue, genre. Mais non! Il faisait pas de barbecue, Colin. Ils sont dans une caserne, ça pogne en feu, ils ont les accessoires. Ben oui, ils ont les. Non mais je me souviens qu'il y avait une perfo, il y avait genre le petit chanteur qui venait chanter une toune. Mais après ça, c'était quoi? C'était du bricolage! T'avais la fée, oui, t'avais. Il faisait des casse-têtes en forme de cigogne. Il était pas d'accord, ils ont fait bouh. Non, bouh, non, c'est pas ça la bonne réponse. Oh man, hey, mais pimpon, c'est chaud là. Wow, ça va bien, man. Tu sais pas ce que tu fais pis tu gagnes. Genre. On parle de pimpon pis tu gagnes. Bon, ben je l'ai fini cette période là. Oh ouais, quasiment fini là. Oh boy. Il va nous rester encore un. Si, man. Aïe, il va nous rester 30 minutes pour finir ça, c'est impossible. Non, non, ben parle pas de ça, le monde le sait pas, ça. Il va nous rester 45 minutes. Arrête, yeah, ils savent pas. Il faut qu'on prenne le code pis qu'on le termine. Yeah, au pire, tu reviens une autre journée pis on finit le jeu. Que tu dis, ben c'est ça, ta gueule. Bon. Bon, fait que le prochain épisode, on va voir contre qui on va se battre. Fait que là, touche à rien, là, ce fois-là. Ok, fait que à la prochaine. Non, pas à moi. Ah, il me touche.